Si on apprend l'anglais, c'est pas pour connaître les règles, mais c'est plus pour parler, c'est plus pour l'utiliser dans la vie quotidienne, soit au travail, soit dans les voyages. Bonjour, je m'appelle Lorem et je travaille avec Proformation depuis presque un an. Il y a vraiment de différents profils. Il y a des étudiants qui apprennent l'anglais justement pour avoir plus de compétences, plus de capacités pour parler l'anglais, par exemple, au niveau travail, pour pouvoir voyager. Donc, c'est vraiment très varié. Alors, d'habitude, avant de commencer la formation, il y a l'audit initial qui se fait tout au début. Et avec cet audit initial, on accompagne les apprenants dans ce test, dans cet audit, justement pour nous permettre de voir le niveau des personnes. Et ensuite, moi, je commence par un cours où je fais une sorte de conversation qui permet de se connaître, getting to know you. Ça permet de, comme on dit en anglais, to break the ice, donc de casser la glace. Ça me permet personnellement, en tant que formateur, de connaître les buts et les objectifs de l'apprenant. Je prépare une formation pour chaque étudiant qui s'adapte aux besoins de chacun. Il y a des étudiants qui me disent que voilà, j'aime bien ces cours parce qu'en fait, s'adapter à mes besoins et de mes attentes. Et il y a cet aspect de vraiment de personnalisation de formation que les apprenants apprécient beaucoup. Il y a aussi ce fait de rencontre de personnes entre l'apprenant et l'enseignant. Ce n'est pas juste une formation, je vais au cours et c'est tout, c'est fini, mais on tisse aussi des liens à travers la formation. Moi, je recommande toujours à mes apprenants le fait de vraiment prendre tous les moyens pour être submergé, entre guillemets, dans la langue. Soit regarder des vidéos de 3 minutes en anglais sur YouTube ou des réseaux sociaux, regarder des séries sur Netflix ou des films avec voilà, en anglais et sous-titrés en anglais aussi. Parce que ça permet d'associer ce qu'on entend par le son et puis à ce qu'on voit. Donc il y a la lecture et la compréhension aussi qui jouent. Surtout, ce que je recommande, c'est vraiment de pratiquer le plus possible.